faites-vous pour avoir de l'argent? Pardon, tu répètes encore? Comment faites-vous pour avoir de l'argent? Ben, pour avoir de l'argent, je fais des concerts, des spectacles. Et aussi, je fais des poésies dans les écoles. Okay. Quelle est la différence de votre réputation en France et ici au Comores? Ah, avant tout, pour partir en France, j'ai fait une carrière ici, au Comores. C'est-à-dire à chaque fois, puisqu'ici, d'ailleurs, vous êtes à l'Alliance, c'est un pays francophone, les Comores. Donc, RFI, la Radio France Internationale, ils envoient souvent des commissions ici pour chercher des artistes dans les pays francophones. Et c'était en 97, c'est tombé au Comores. Donc, on nous a demandé de présenter une chanson. Moi, j'ai présenté une des chansons qui s'appelle Chitete, qui parle de la culture comorienne, Chitete, Kling, Serraro, et tout ça, ça parle de la culture comorienne. Et on m'a demandé de chanter en français. On était beaucoup des artistes là-bas, à Moroni, à l'Alliance. Et ma chanson a été retenue. Et là, je suis parti en France. Donc, tu m'as posé la question, la différence, c'est ça? La différence, c'est qu'en France, quand tu arrives là-bas, t'es zéro. T'es nul. On ne te connaît pas. Donc, et ici, dès que tu commences à jouer un petit peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup, c'est pas beaucoup, ici, c'est pas grand, ici, le Comores, tout de suite, on te repère. Mais en France, il y a beaucoup d'artistes, et qui jouent même trop bien. Donc, dès que je suis arrivé là-bas, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. Mais comme je suis aussi d'un côté professeur, donc ce qui m'a permis d'être patient, et puis finalement, j'ai bossé toujours, on m'a repéré, et puis et là, je suis bien parti. Donc la différence, c'est que là-bas, tu mettras beaucoup de temps pour qu'on puisse te repérer, et quand on va te repérer, là, c'est bon. Mais ici, la différence, ici, au Comores, on te repère tout de suite. Donc c'est déjà une grande différence, tu peux y avancer plus vite. Mais ici, le problème, c'est que ici, tu ne peux pas gagner d'argent. Au Comores, si tu fais ce métier d'artiste, que ce soit peinture, musique, etc., tu n'as rien du tout. Tu vas rester là pendant très longtemps, des années et des années. Et là, tu ne gagnes rien du tout. Et puis, si tu deviens fou, parce que tu es grandi, tu as des responsabilités à faire, des enfants, des femmes, ou si c'est une femme, un homme, la vie active, et tu découvres que tu n'as pas un métier en train de passer tout ton temps en train de jouer de la musique. Et là, quand tu as 40 ans, c'est trop tard, tu ne peux pas aller prendre un métier. Là, c'est ça les conséquences. Tu deviens fou parce qu'il faut vivre. Donc, ici, au Comores, la différence entre en France aussi, si tu ne gagnes rien du tout, peut-être un peu les mariages, les orchestres, on vous appelle alors, vous jouez un petit peu, on met de l'argent sur les valises, et peut-être les musiciens vont se donner un petit peu. En cette fin d'après-midi, elle allait une mélodie. La chanson est très jolie, elle parle de la vie. Et le monde applaudit, vous êtes tous nos amis. Avec vous, on peut tout faire, et sans vous, à quoi ça sert? Vous êtes nos mères et pères, et ça va sûrement vous plaire. Chantons un cœur.